Mesdames et messieurs, chers Samélois, bonjour. Nous sommes lundi 6 avril 2020, 21e jour du confinement. Trois informations à vous faire partager avant ensuite de nous rendre à la pharmacie Notre-Dame pour une interview de Samuel Marchal. Premier élément, concernant le don du sang, je vous rappelle qu'il y aura une collecte mardi prochain, 14 avril. Monsieur Jacquemot, président de l'association, a été contacté. Toutes les mesures sanitaires sont prises pour vous assurer une parfaite sécurité dans le geste généreux que vous êtes invité à faire. Deuxième élément, des dégradations sur des véhicules en particulier ont été subies la semaine dernière. La gendarmerie a fait du bon boulot. Les auteurs présumés sont actuellement sous les verrous. Du matériel a été récupéré et donc nous pouvons espérer un retour à une meilleure tranquillité sur ces aspects-là. Sur d'autres méfaits et larcins, d'autres enquêtes sont en cours et vont sans doute être fructueuses. Merci et bravo à la gendarmerie. Enfin, troisième élément, le préfet de la Meuse, M. Alexandre Rochat, par une note datée du 3 avril 2020, a fait paraître une interdiction très précise sur certaines fréquentations, en particulier dans les lieux publics. Je vous invite à ne pas fréquenter les forêts. Cette note est disponible, bien entendu, sur le site de la préfecture. Nous la mettrons peut-être également en ligne. Elle nous rappelle donc l'interdiction des bois, étangs, forêts, parcs et jardins publics municipaux, mais également la restriction sur les jardins familiaux ouvriers dans la limite du 5e alinéa du 3e paragraphe, qui, je vous le rappelle, limite à 1 heure par jour et 1 km la distance de votre jardin familial éventuel pour pouvoir y travailler un petit peu, en attendant peut-être d'autres améliorations, mais aujourd'hui, cette limite est très strictement encadrée. Je vous invite volontiers à contacter la gendarmerie si vous avez comme objectif de vous rendre dans votre jardin pour éviter toute difficulté, voire éventuellement un PV. Voilà, nous passons maintenant sur une seconde partie. Nous sommes dans la pharmacie Notre-Dame, pharmacie de Samuel Marchal, qui est avec nous pour nous parler du fonctionnement de cette pharmacie de centre-ville, de Saint-Miel, hyper importante car hyper centrale et extrêmement fréquentée, presque trop. Alors Samuel, pouvez-vous en quelques mots nous présenter tous les services que vous pouvez proposer, vos horaires, vos dates d'ouverture, les services de livraison? Qu'est-ce qui fait la force de votre pharmacie et surtout votre grande utilité? Bonjour. Alors, merci tout d'abord, monsieur le maire, de me permettre de m'exprimer. Aujourd'hui, alors il faut savoir que le fonctionnement de la pharmacie reste à peu près le même que d'habitude, au sens où les horaires n'ont absolument pas changé. Nous sommes toujours ouverts du lundi au samedi après-midi, avec des horaires exactement pareils. Le gros service qu'on a mis en place dans l'urgence pour pouvoir pallier à ce phénomène unique, c'est le système de livraison. Donc tous les jours, en gros, dans l'après-midi, on livre tout le canton de Saint-Miel pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ont peur de se déplacer ou qui veulent respecter un confinement maximum et rester à la maison. C'est assez simple. Déjà, il faut savoir que c'est gratuit. Il vous suffit juste de passer un coup de fil à la pharmacie quelques jours avant vos besoins ou si c'est urgent dans l'urgence, il n'y a aucun souci. Vous donnez vos besoins et on organise toute la livraison. On prend vos coordonnées, votre adresse, vos numéros de téléphone et on vous livre dans l'après-midi vos médicaments. C'est entièrement gratuit. Si au niveau du mode d'avance des frais, ça ne change absolument rien si vous venez à la pharmacie, c'est-à-dire que si c'est remboursé par la Sécurité sociale et que vous avez une ordonnance, vous n'aurez rien à avancer si vos papiers sont en règle chez nous. S'il y a des choses à régler, si vous avez besoin d'autre chose que des médicaments, des produits de parapharmacie, de soins d'hygiène, ainsi de suite, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire un chèque, régler en liquide ou même en carte bleue avec un terminal de paiement qui est portatif et qui nous permet d'encaisser à la maison. Sinon, les services restent à peu près les mêmes que d'habitude. Notre mode de fonctionnement est absolument le même. On est juste en équipe restreinte pour pouvoir tout bêtement déjà économiser le nombre de masques qu'on a. Comme notre nombre de masques était assez limité, on s'est dit que moins on serait à travailler en même temps, moins de masques on aurait utilisé et du coup, on est un peu moins nombreux. Et voilà, du coup j'enchaîne sur les masques pour vous redire que non, nous n'avons pas de masques à disposition des clients, nous avons suffisamment de masques pour nous, pour le personnel de santé de Saint-Miel à peu près, mais pas pour les clients. Ce que vous n'avez pas précisé aussi, c'est qu'au niveau du service aux entreprises, vous pouvez, avec un délai raisonnable, avoir du matériel, du gel ou d'autres éléments. Voilà, si certaines entreprises ont besoin de gel hydroalcoolique, de gants, de matériel qu'on se fournit en pharmacie habituellement, ils peuvent nous contacter. Il faut juste pas être pressé, il faut anticiper un petit peu ses besoins et on peut s'organiser pour vous commander ce dont vous avez besoin pour subir cette crise. Voilà. Alors, merci à vous Samuel, je rappelle les bons gestes que vous nous confirmez quand on vient à la pharmacie. Lavez-vous les mains avant de venir. De plus, vous avez du gel hydroalcoolique à l'entrée de la pharmacie.
Ne touchez pas à tout ce qui est dans cette pharmacie, car éventuellement vous pouvez porter ces fameux virus, les déposer par mégarde sur les flacons. Et puis, une fois rentré chez vous, de la même manière, ben, n'hésitez pas à vous laver les mains, les poignets, et s'il le faut, si vous avez vraiment fait beaucoup de courses, n'hésitez pas à vous changer. Et comme je le dis sur les recommandations d'Ilian Berger, notre chef de corps des sapeurs-pompiers, une petite douche, ça ne fait pas de mal. Voilà, merci Samuel pour cette information. Merci. À bientôt à tous, bonne journée, restez confinés, prenez soin de vous. Au revoir.